Et salut les viewers! Pour ne rien rater aux vidéos que je vous propose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié, commentez et likez. Merci! Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 28, je crois, de Donjon Craft. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, bah, en fait, il nous reste, comme je disais dans les épisodes précédents, il nous reste plus beaucoup d'épisodes à tourner. Et en fait, bah, niveau création, au niveau construction, voilà, j'en ai assez fait, je pense. Bon, je vais aller jusqu'à 30 épisodes. Mais donc, il n'y aura plus de construction. J'avais promis, entre guillemets, le mode brewering qui permettait de faire de l'alcool. Mais bon, j'ai regardé un petit peu en créatif. Bof. Pas terrible. Voilà, bah, je pense que ma base est plutôt bien. Là, on tourne. Je voudrais finaliser les donjons qui nous manquent. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de donjons no loading. Donc il nous reste encore sur, il y en a quand même beaucoup hein, de donjons là-dedans. Donc il nous en reste encore 2, 4, 6, 8 à faire. Donc bon, il va falloir les faire. Et il nous reste aussi les boss de Ultris à faire. Il reste pas beaucoup, mais il reste quelques-uns. Donc aujourd'hui, bah, ça va être du donjon. Et avec des énigmes quand même. Franchement, le mode donjon no loading est plutôt pas les balèzes, plutôt pas mal. Voilà, donc je prépare mes affaires, je pars à l'aventure, et puis comme d'habitude, en fait, on se retrouve pour exploiter un donjon et puis regarder un petit peu ce que on peut en tirer. Allez, à de suite. Alors, on est parti sur chercher la tombe du chasseur que j'ai mis dans mon compass, hein, ici, la Hunter's Grave. Mais je vous avais parlé déjà de ce galion que j'avais déjà fait en off. Je voulais vous le montrer parce que je viens d'en retrouver un. Celui-là, je ne l'ai pas fait puisque l'autre, j'avais récupéré toutes les laines noires pour un PNJ dans mon... Un PNJ que j'ai. Et donc bon, bah allez, du coup, vu qu'on est là, on va essayer de se le faire un peu rapidement. Vu qu'il y a vraiment pas mal de loot là-dedans. Et je trouve franchement stylé parce que les vagabonds et tout, enfin. Ouais, ça fait vraiment vaisseau hanté. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Sauf si je confonds évidemment les. Comment dire? Ah, je suis bloqué. Les armor stands avec des PNJ, mais. Donc voilà, et franchement, il y a du loot, il y a pas mal de trucs, le coffre, enfin, il y a de la profondeur dans ce... Alors, je sais pas quel mode a rajouté ça, mais il y a beaucoup de choses. Mais j'ai déjà récupéré tout ça. Voilà, hop, je sais pas où j'ai récupéré tout ça. Pourtant, j'avais vidé mon inventaire. C'est bon. Bref, donc, on va péter les armor stands. Il n'y a pas un boss en particulier, hein. mais il est plutôt stylé, puisque... Hop, voilà, je vais vous montrer ici, ben non, ça c'est la sortie évidemment, la capitainerie qu'on peut récupérer, qu'on peut retrouver en descendant ici, je crois. Voilà, voilà, derrière il n'y a rien dans les coffres, d'après mes souvenirs. Voilà, c'est ici, il y a la chambre du capitaine. Voilà, alors ici... Il y a aussi, évidemment, ça fait vraiment vaisseau hanté, je trouve. Bon, sauf s'il pète les trucs, mais... Alors, on va enlever les bébêtes. Voilà, allez, bon, il y aurait moins de creepers, ce serait mieux. Et voilà, et donc on trouve quand même bloc d'émeraude, bloc de diamant, un trident. Parce que bon, parce que ça, on enlève aussi, ça également. Et on trouve un livre épine 3 qui ma foi, hop, non ça je vais le garder, c'est ça que j'ai pas besoin. Ça je reprends. Un arc, hein. Décidément j'en ai trop des arcs. J'en ai marre de ces arcs, hop, et voilà. Même la porte, j'en ai pas besoin. Et dans ce coffre, voilà. Ici il y a une petite carte au trésor enfouie qui doit nous donner effectivement un endroit... particulier, hop, qui va nous donner bah, où on va se rendre. Hein. Après, je vais pas faire le bateau, j'ai déjà fait, mais c'était pour vous montrer qu'il était plutôt stylé. Idem, puisque là-dessous, on a plein de minerais et également un coffre. Voilà, bon, y a des monstres, hein, évidemment, mais y a quand même pas mal de blocs.
de diamants, de fer et tout. Il y a de quoi faire. C'est de quoi de le dire. Toi, tu m'embêtes. Ok. Bon, je peux pas résister, évidemment. Je ne peux pas résister. Hop. Et voilà. Je ne peux pas résister à prendre. Je vais y arriver. Donc, je voulais vous montrer ce petit bateau. Je vais aller jeter un oeil à la carte, au trésor, si elle est pas trop loin, si elle est sur la route. Et puis, on se fait ce petit... comment on appelle ça, je vais y arriver. Cette tombe du chasseur, qui, ma foi, est plutôt stylée. Bon, dans les coffres, je sais que là, cela, il n'y a rien. Mais voilà, il y a de la profondeur, il y a des endroits plutôt pas mal. Je vais passer par en dessous. Il est plutôt profond, hein, comme galion. Voilà, peut-être en haut, ici. Non, il n'y avait rien. Bref, allez, on se retrouve une fois arrivé, parce que c'est pas tout près. Et je vais regarder d'ailleurs la map. C'est vers le nord, donc de toute façon, on y va. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, je sais que c'est la nuit, mais on arrive à la carte du trésor qu'on vient de trouver. Elle est juste là. Je vais descendre un peu, ici. Je vais prendre ma pelle, évidemment. Hop. Et normalement, le petit trésor devrait pas être très très loin. Oula, laisse-toi toi. Oh, il y a encore un bateau là-bas derrière. Il y a un golem qui fait de la nage. Il fait de la nage sous-marine. Voilà, le petit trésor est là. Hein. Ça fait toujours plaisir, un petit trésor englouti. Respiration aquatique. Et puis voilà. Je suis déjà venu, mais j'avais pas vu ça. Maintenant, on le voit. Donc, normalement, si j'ai bien compris, elle va m'embêter. Il y a un arc. Il y a un arc qu'on peut récupérer. Voilà, Hunter Grave. Ah, il est là. Et le chasseur va arriver. Alors, il faut récupérer. Alors, cet arc n'a que 7 utilisations. Donc, il va vouloir se venger. Voilà, il est là. Et si on arrive à le tuer, il va nous, alors si on le tue surtout avec l'arc, je crois, il va nous donner un arc un peu plus sympa. Ah, mais il faut des flèches. Donc il me faut des flèches parce que peut-être son arc n'a pas de flèches. Heureusement j'en ai récupéré un peu. Voilà, nickel. T'es où? Je vois ton ombre. Ah ouais, alors il faut le finir avec l'arc. Donc normalement il a que 2. Enfin, 7 utilisations. Ah, il a disparu. Reviens là, Léon. Reviens. J'ai bien tout suivi. Il est là. Ah ouais, alors du coup, il s'est régénéré. Il va trop loin. S'il va trop loin, il se régène. Alors là, si on arrive à le finir avec ça. Ah, voilà. C'est ça. Il nous donne un compagnon. Un petit chien. Et normalement, l'arc... Ah non, l'arc, il est resté cassé. Il est incassable. Ah oui, voilà. Vu que, bon, je sais pas, on a réussi à le tuer. Du coup, on a récupéré un arc incassable. Ok. Et puis, on a récupéré un compagnon qui est avec nous pendant 16 minutes. Bon, alors, je sais pas s'il va réussir à nous suivre. Et on a des all letters qui sont à utiliser dans les Forgotten Fields. Toujours pareil. Et les Forbidden Berries qui nous donnent des cœurs en plus. Alors je sais pas, j'en ai déjà 3. Lui il nous donne 7 cœurs, donc bon, je pense pas que ça serve. Si je le mange, ça va pas servir à grand chose. Bref, ça s'appelle Cleric Hide Out. Search. 1500. Oh bon, on n'est pas rendu. Bon bah écoutez, on se retrouve là-bas aujourd'hui. On fait des petits donjons rapides, des petits trucs. Bah, rapide, je suis pas sûr à 100% qu'ils soient tous rapides. Ouais, là j'ai vraiment tout défoncé moi. Mais quoi qu'il en soit, allez, on se retrouve dans 1500 blocs. Nous sommes arrivés à la cachette des clercs. En fait, voilà. Cleric Hide Out. Ouais. Si on zoome, elle est bien cachée, hein. Faut le savoir que celle-là. Hein. Heureusement qu'on a l'explorer compass. Hein. Là, c'est le spawn, le point de spawn de... Voilà, il y a un clerc là-dedans. Oh là, mais il y a des mobs spawners. Ok. Ok, t'es méchant. Waouh, wow, il y en a des. Cleric Hidewalt, voilà. Hop. Là, ça a pété parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de mobs spawners, on dirait. Ok. Ah, c'est lui.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il doit pas être chanté. Ok. Ok. Il est en train de boire. Mais on va faire le tour avant. On va faire le tour de sa maison. Il est plutôt bien caché, hein. Pour tomber dessus par hasard. Allô, t'es bloqué? Vas-y, bon, vas-y. Rollback, pas rollback. Alors, t'es pendu? Ah ouais, voilà. Ma foi. Du rollback. Bah, pas de rollback, mais un petit lag. Ça arrive. Ok, il est là, le copain. Bon, j'ai fait le tour de tous ceux que t'avais emprisonnés, là. Tous les villageois que t'avais corrompus. On peut rentrer par la porte. T'as une porte, quand même. Moi, je vais rentrer par là. Ok. Peut-être un mob spawner un peu plus haut. Bonjour. Attends, j'essaie de rentrer. C'est toi le méchant? Vas-y, c'est toi. Ouais, c'est toi le méchant. Je le sais. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, t'envoies des collègues. Mais je crains plus personne maintenant. Voilà, on a tué le cleric Z. Et il nous a droppé un coffre. C'est ce que j'adore avec ce mod. C'est qu'à chaque fois qu'on tue le boss, ça nous drop un coffre. Avec une Forbidden Apple. Nickel. Plus on a des têtes. Et hop, on range avec les berries qu'on a eues tout à l'heure. Et ainsi que l'arc que j'ai rangé ici. Et celle-là, elle nous redonne un cœur. Est-ce qu'on peut avoir un cœur de plus? Je ne sais pas. Hein, je pense pas. Mais c'est rien, ça fait partie. Ça fait partie de mes. De tout ce que je récupère. Ah mais vous n'êtes pas tous morts. Ah mais vous passez par la fenêtre, tant qu'à faire. Donc il y, bah, y a encore un spawner quelque part. Hein. Y a une espèce de champi là qui nous embête. Voilà. Ah bah voilà, il est là le mob spawner. Oh wow wow. Et la nuit. Pas plus grand chose. Bon bah je suis content, on a encore fait ça. Du coup, on va faire un petit roupillon. Et puis, voilà, j'y suis allé tout à l'heure. Et puis, on va dormir à la cime d'un arbre. Et puis, on repart. Allez. Le jour se lève. Je suis à 10 000 blocs, hein, le prochain donjon que je veux faire. Mais regardez, une île-village de désert en plein milieu de l'océan. C'est plutôt bien fait, plutôt bien intégré. Bon, là, ça flotte un petit peu, mais c'est un pôle d'air comme en Hollande. Voilà, ouais, avec un petit truc, c'est bien, bien sympa. Je vais l'activer, ce petit village, il me plaît bien. Comment il s'appelle? Crumir. C'est Crumir. Ok, voilà, non, c'était pour vous montrer que c'était sympa. Et que nous allons, à 10 000 blocs, nous allons au Plainville Pillager Camp Boss. Donc, oula, c'est pas tout près. Oh, encore une pyramide. Space, celle-là, non? Elle est particulière ou pas? Ah, avec une entrée comme ça, j'avais pas vu. On n'est absolument pas où je voulais être, évidemment, hein, parce que, comme d'habitude, un imprévu. En fait, déjà, je m'étais trompé. C'était parce qu'ils ne trouvaient pas le camp des pilleurs, hein, puisqu'ils nous disaient 10 000 blocs, mais au sud. Et en fait, il n'y en avait pas, donc en fait, c'est au nord. Et en passant, j'ai trouvé cette pyramide. Je suis allé jeter un œil rapidos, et je l'ai trouvé très stylé, en fait. Et donc, j'avais envie de la faire avec vous. Alors j'avoue, je suis déjà descendu. Hein. Donc il y a un creeper qui est déjà pété, mais il y a plein de sorcières, etc. Je sais toujours pas non plus quel mode c'est. Ça fait pas partie de Dungeon Loading. Mais je sais pas s'il y a des beaux loot ou pas. J'ai pas regardé les coffres. Mais je l'ai trouvé très stylé dans le sens où, je sais pas, je trouve que voilà, comme ça fait des grands espaces, etc. Ça fait peur et c'est pas fini hein, parce que je suis descendu relativement en bas, je suis vite remonté parce que il y avait un peu trop de monde à mon goût. Ouais voilà, ça descend là, mais voilà comme ça commence à descendre et tout. Donc il y a des tombes, donc je vais les ouvrir hein, puisque voilà quoi, on est quand même dans. Ouais voilà. Est-ce qu'il y a des coffres ou des trucs particuliers? Non, c'est de la chair putréfiée standard. Donc là je crois qu'on a fait le tour. Il y a encore une tombe ici.
Hop là. Et là, ah, des petits trucs, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais c'est ça. C'est pas les. Je vais y arriver à shifter. Merci. Tu vas me foutre la paix, oui. Tiens. Bouclier. Parce que j'en ai un, je m'en sers jamais. Pas que ça va faire. Voilà, des fois, c'est pas les très très gros. Les très très gros. Je vais y arriver. Donjons qui font. Enfin, c'est pas les loot qui font. Il y a aussi. Moi, j'aime bien les styles, etc. Ça, c'est plutôt joli. Je vais mettre une torche quand même pour dire qu'on est passé, parce que sinon. Ah, j'arrive là, les copines. Enfin, les copines. C'est toujours aussi chiant. Vous avez vu, j'ai repris mon ancienne épée, au fait. Oups là. Quand je vous disais qu'il y avait des creepers qui explosaient. On va avoir un. Allez, casse-toi. On va avoir un spawner à creeper. Ça, c'est un spawner à araignée. Je vais y arriver. Ok. Bon. Pas grand chose comme loot, mais il est stylé. Ah oui, il y avait des Vex. J'avais eu des Vex. Voilà, c'est là que le creeper a explosé. Si, j'étais venu jusque là. Et je me suis barré. Les Vex ont l'air de s'être barrés aussi. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'énormes. Ah, il y a une statue. Ok. Ok. Il y a une statue. Pour donner une bonne ambiance, quoi, je veux dire. Ah, je savais bien qu'il y avait des Vex. Ah oui, c'est lui, il y a un trollolol. Il enfin, y avait un trollolol. Eux sont toujours aussi chiants. Encore un ? Merci. Ouais, voilà. Il y a l'ambiance qui. Oh, du coup, on a des têtes de Vex. Genre de donjon qui paye pas de mine, on va dire. Mais qui permettent d'avoir une épée en diamant. Un totem d'Of Dying. Je dirais pas en début de game. Parce que bon, il faut se le faire, le Vex. Mais on pourrait, on pourrait. Ça doit être faisable. Là, on est en plein milieu. Du coup, ce coffre-là, je ne l'ai pas fait. Ouais, et on a tout en diamant quand même. Moi, je trouve ça bien. Allez, je sors de là. Et puis, on essaye d'aller à ce fameux camp de pillagers. Depuis le temps que je le dis. Hein ? On arrive bientôt. Ça a 240 blocs. Mais je suis devant un temple qui me paraît... Bah, très joli derrière, devant le Mesa, ici. Bon, il n'y a pas d'entrée à part l'entrée bah, par au-dessus. Donc, allez, on va jeter un œil. Hein. Ah, c'est peut-être quand on arrive en plein milieu. Ah, bah voilà, bah oui, le chef. Ok. Il faut faire quoi avec lui? En train de dire... Oh là là, lui, normalement, il va nous dropper sa corne quand il va mourir. Ah bah, qu'est-ce que tu fais sur terre, toi? Attends, je fais tes collègues avant. Bon, par contre, la texture, elle a bugué. Je sais pas ce que c'est, ce qu'il est censé avoir dans la main. Un bouclier, peut-être? Ah oui, d'accord. Ok, oh, vas-y. Que t'es en train de te faire exploser toi-même. Hein. Il jette de la TNT. Ouais. Bon, bah, on aura fait un boss encore aujourd'hui. Eh ben, dis donc, par contre, t'étais loin. Hein. Mais ça nous a permis d'explorer d'autres environs. Est-ce que les autres, ils vont despawner quand tu vas mourir, toi? Parce que t'as presque beaucoup de vie, là. Tu vois? Oh non, alors pas comme ça. C'est moi qui te tue avant. Ah ouais, t'es bien protégé. Ouais, c'est un espèce de bouclier, mais il est bizarre. Voilà, t'es mort. Et normalement, il me laisse un coffre bah, au milieu là-bas. Normalement, il y a un coffre. Bon, ça, j'en veux pas. Et ça, je. Arbalète, je n'en veux pas. On va aller voir son fameux coffre. Ouais, ses autres, les autres ont despawné. Ok. Ah ouais, t'avais carrément. Ah ouais, ok, il fallait appuyer sur le bouton. Donc, il m'a laissé son coffre. Normalement, d'après ce que j'ai lu, il nous laisse une corne de chèvre. Ça doit être ça. Ah bah non. C'est un crossbow, ok, mais ben, il marche pas. Ah, il n'y a pas la corne. Ah, la fourmi d'un apple. Encore une. Encore une. On a plein. Ok. Bon, ben, c'est un Ominous. Ah, Ominous, ça me dit quelque chose qu'on avait déjà récupéré. Qui s'appelait Ominous. Mais bon. Allez, on va se refaire encore un petit.
Donc, je sais pas, d'après ce que j'ai lu, hein, pareil, j'ai regardé un peu tous les modes de donjon, de donjon loading. Il reste encore un. Enfin, il reste encore quatre à faire, dont Watcher Camp, qui est pas très loin. Et on va se faire ça, de toute façon. Il y aura certainement plus des accélérés et tout dans la vidéo, donc des petits raccourcis. Donc voilà, je me rends là-bas, c'est un camp encore de pillagers. C'est peut-être eux là, qui donnent la corne une corne de chèvre. Normalement, ça aurait dû être lui, mais bon, a priori, il l'a pas donné. Bon, moment de vérité. Ah, bah on a les chaussures. On a eu les chaussures du golem. On a eu le chapeau. Bah, il ne manquait plus que les chaussures. C'est bon, on les a. Bon, j'ai toujours pas ma pépite, moi. Mais je continue, je continue. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et lui, tout le temps en train de roupiller. Bon, il n'y a pas notre golem, là? Putain, mais c'est quoi ça, Frost Watcher? Il est où? T'es vu, t'es là. Ok. Ah ouais. Toi? Non, c'est pas toi. C'est toi? Non, c'est pas toi. Ah mais il est où, sans déconner, ce boss? On est pas loin. On est pas loin. Il est là. Non, c'est pour lui. Si. Ah bah Watcher Khan. Ah bah en même temps, il était à côté. Ok, bon, bah alors si, on se le fait. C'est pas lui. C'est pas lui non plus. Bah mais t'es où? T'es où? T'es où? Il est où ce boss? En même temps, les deux camps sont. Oh. Les deux camps se sont. Ah bonjour! Les deux camps se sont mélangés. Et vous permettez que je rentre? Ah bah t'es là! Ok, bah attends, j'y arrive. Hey, j'ai un épisode à finir, moi. Parce que là, il va être trop long. Après, les viewers, ils vont râler. Ah bah ça va, t'as pas beaucoup de vie. Enfin, si, t'as 300 de vie, mais tu vas mourir quand même. Je sais pas ce qu'il fallait faire dans le Watcher Camp, mais on y est. Bon, on l'a réussi. Il nous a droppé son coffre. Et les autres, vous allez mourir ou pas? Et on a une Forbidden Berries. Et ça, c'est une fin. Une fin d'épisode un peu space, hein. Attendez, on va quand même. Allez, entretuez-vous. Je suis avec vous. Enfin, contre vous, mais. Ok, vous n'étiez pas compliqué à faire. Ben, on l'a fait. Je veux pas appuyer sur le bouton. Ok. Et ben voilà. Bon, ben, on aura réussi quand même. Ça aurait été un peu laborieux. On n'a toujours pas. Ça, je m'en fous. Ben, les autres aussi en même temps. Bah écoutez, on n'a toujours pas notre golem qui nous a donné notre pépite de fer, mais bon, on aura réussi ça. Bon, je vais quand même fouiller dans les alentours. Ok, bon bah des flèches. Ah, oh, des ragoûts. Des ragoûts de lapin. Ok, nickel. Bon bah les amis, même si c'est la nuit, hop, on va se quitter là parce que l'épisode il commence à être trop long. Allez, puisque après le montage c'est compliqué. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était, je crois, l'épisode 28 de Donjon Craft. Voilà, et lui, il a des beaux yeux. Il brille dans la nuit. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!